Coucou, bonjour à toutes et tous. On se retrouve aujourd'hui pour le message du week-end, les énergies du week-end. Ce message général, prenez ce qui résonne pour vous. Il ne parlera pas à toutes les personnes qui vont visionner cette vidéo. Prenez ce qui résonne pour vous. Allez, quel est le message du week-end, les énergies du week-end? Merci énormément pour vos messages et vos abonnements. Pour les personnes qui me découvrent, vous pouvez me retrouver également donc sur Facebook, TikTok, Instagram et ma chaîne YouTube. Pour les personnes qui veulent s'abonner à ma chaîne YouTube, c'est avec plaisir. Si vous voulez rejoindre la communauté, ne pas oublier la petite cloche sur toutes notifications pour recevoir les prochaines vidéos, les prochaines clairvoyances que je vous propose. Allez, quel est le message du week-end, s'il vous plaît? Alors, à la coupe, pour ce week-end, on retrouve des petits soucis, des petites contrariétés sur quelque chose. Alors, on retrouve des petits soucis familiales. On va mettre le jeu de 32 en place, le jeu de couverture, et puis on va aller voir un petit peu le message que j'ai à vous délivrer. Quel est le message du week-end, s'il vous plaît? Voilà, le jeu 32 est en place, je vous demande quelques instants, je reviens très très vite, je vous donne les premiers éléments. Ok. Alors ici, on me parle de disputes, conflits. Je retrouve les conflits et les disputes. Vous avez vu déjà un petit peu à la coupe, on nous parlait de petits soucis, des petites contrariétés. Nous allons aller voir un petit peu ce qu'on va nous dire. Conflit, dispute. Qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport au conflit? Soit une dispute et un conflit qui est là depuis un certain temps, soit ça arrive. On regarde un petit peu ensemble. Alors, on retrouve une ouverture. Alors, on nous parle de disputes et de conflits. On avait, si vous vous rappelez tout à l'heure, des petits soucis au niveau familial, au niveau familial et au niveau sentimental. Donc, soit c'est là depuis quelque chose qui est là depuis un certain temps, ou ça arrive. On voit que y a un désaccord, tout simplement dans votre vie de famille et votre vie sentimentale. Alors, mais encore. Alors, ça peut être aussi avec vous-même, c'est-à-dire que vous pouvez être seul, hein, tout simplement, hein, célibataire, et puis vous voyez que les choses arrivent, que les choses bougent. Eh bien, écoutez, ici, hein, on a plutôt quand même quelque chose par rapport à ces petits soucis, ces petits conflits, donc ce conflit plus intérieurement ou par rapport au passé. Eh bien, il y a quelque chose qui arrive en ouverture dans votre maison, dans votre foyer. Donc ici, on voit que dans quelques temps, suite à un conflit sentimental qui a eu lieu par rapport à votre passé, ça peut être aussi par rapport à être seul et puis que vous rencontrez personne, et là il y a une ouverture. Donc c'est-à-dire une ouverture vers une nouvelle rencontre dans la maison, dans le foyer, une ouverture vers une rencontre. On nous parle bien une ouverture côté cœur, une ouverture côté sentimental. Ici, alors, on retrouve bien une rencontre qui pourrait arriver plus ou moins. On retrouve quelque chose qui arrive dans les 2 à 3 mois. Le temps est très compliqué, nous, médiums, de vous donner un temps exact. Mais là, on voit qu'il y a une ouverture, quelque chose qui arrive à votre porte. Vous pourriez avoir une rencontre, vous, la consultante ou le consultant qui me regardez, côté cœur, dans votre maison, dans votre foyer. C'est une certitude. Donc voilà. Et le conflit et dispute, certainement, que pour que les choses bougent, voilà. Peut-être le conflit avec vous-même, encore une fois, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Nous allons aller regarder un petit peu, en complément, ce que je peux vous donner en information complémentaire. Alors, ici, on retrouve un...
on retrouve le mariage. Hein. On parle de mariage. Le mariage, c'est pas forcément la bague au doigt. On verra. Hein. On voit cette ouverture. Donc certainement cette union, cette ouverture pour se retrouver. Et peut-être que plus tard, eh ben, ça amènera un mariage. En tous les cas, j'entends mariage. On va aller voir un petit peu ce qui est en lien avec le mariage que j'entends. Alors, on retrouve le contrat. Donc vous voyez, le contrat, mariage, contrat, procédure administrative, juridique, hein, tout simplement, peut-être pour se marier. Ben moi ici, hein, on voit que dans quelques temps, ben peut-être avec votre passé, alors le mariage peut être par rapport à votre passé, les conflits, hein, et cette ouverture qui arrive, en tous les cas, il y a quelque chose en lien. On nous parle d'une signature à travers la démarche administrative, peut-être par rapport à votre passé, ou cette future rencontre dans quelques temps amènera, eh ben, tout simplement, quelque chose vers un mariage, vers une union sentimentale. Prenez ce qui résonne pour vous. Vous avez vu, on a deux choses parce que voilà, on va les voir. Je vais peut-être pouvoir vous cibler un peu plus les choses, mais on retrouve. Ah d'accord, ok. Alors, on retrouve la réconciliation. Ça peut être avec la réconciliation avec vous-même, hein, tout simplement. En tous les cas, on voit bien qu'il y a une rencontre ici. En tous les cas, il y a beaucoup de peur et d'inquiétude. Donc, on retrouve bien une rencontre dans quelques temps qui peut déboucher sur un mariage, tout ce qui est en lien administratif. Ça peut être quelqu'un que vous avez vous avez connu dans le passé, puisqu'on nous parle de réconciliation. Cette réconciliation, elle peut être avec vous-même, on est sur un message général, ou on parle d'une réconciliation avec une personne. En tous les cas, il y a quelque chose en attente, il y a une ouverture, cette ouverture est plutôt favorable et positive pour vous. Alors, j'ai été rendu ici, hop. Et vous voyez, hein, ici, donc, on nous parle bien réconciliation et puis le retour. Donc, ça peut être la réconciliation avec vous-même par rapport à votre passé. C'est un petit peu ce que j'ai. Et le retour, ce retour côté cœur. D'accord ? Peut-être que ben, c'était compliqué depuis un certain temps. Alors, ici, j'étais là. Hop, ici, s'il vous plaît. Et on retrouve bien le voyage, le déplacement. Donc, on nous parle bien d'un voyage, soit un déplacement que vous allez faire et vous allez rencontrer cette personne. Soit cette personne, bah, vous la connaissez, on nous parle du retour de quelqu'un ou le retour tout simplement vers cette ouverture sentimentale parce que, par rapport à votre passé. On peut nous parler d'une femme qui est seule, veuve, sur un aspect juridique à l'heure actuelle. Et on retrouve ces démarches administratives qui sont là. Donc, on voit bien, je regarde le temps, parce qu'il ne faut pas que je dépasse 10 minutes pour pouvoir mettre cette vidéo sur tous les réseaux sociaux où je suis. Certains réseaux sociaux, je ne peux pas dépasser 10 minutes. Donc voilà, je fais la même vidéo pour tous les réseaux sociaux, pour toutes les personnes qui me suivent sur différentes plateformes. Donc sur les petits messages comme ça courts, j'essaye de ne pas dépasser 10 minutes. Donc on voit bien quelque chose en attente. Bah ici, on retrouve quand même des nouvelles. On peut retrouver des nouvelles d'un homme, des nouvelles qui amènent de la réussite et une satisfaction à travers ces nouvelles. On va aller faire un troisième tour de carte pour voir un petit peu en complément ce qu'on me donne ici. Alors, on retrouve les reproches, les accusations, certainement dues au passé ou autour de votre entourage. On retrouve bah, des choses qui vont être dites, on retrouve des révélations. Malgré tout, il y a une satisfaction dans quelques temps. C'est-à-dire que par rapport certainement avec le passé, les accusations du passé, les reproches, les révélations importantes autour de votre passé sur une histoire familiale, union sentimentale, eh bien, par rapport à ces reproches, peut-être que ça a été compliqué, que ça a été long. En tous les cas, en nouvelle, il y a une satisfaction sur ça. D'accord ? Donc, vraiment, dans quelques temps, on voit que vous allez vous sortir de là et il y a une ouverture sur vous, hein, côté cœur, qui sera plutôt positif. Alors, on va refaire une comme ça. Hein, ce qui représentait peut-être un petit danger pour vous. En tous les cas, on retrouve bien, il y a quand même quelque chose qui est là par rapport au passé. Voilà mes belles âmes, le message du week-end. N'hésitez pas à me faire un petit retour si ce message vous parle, à mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez retrouver mes prestations et tarifs sur Will Voyance dans Google et puis vous avez toutes les informations comme vous pouvez prendre rendez-vous en ligne. Je consulte au cabinet mais également sur téléphone ou en visio sur WhatsApp dans toute la France, à l'étranger. Vous pouvez retrouver mon site internet Will Magnétiseur, je suis thérapeute magnétiseur, j'interviens ici au cabinet et également à distance sur photo. N'hésitez pas à aller voir Will Magnétiseur, Will Voyance dans Google, vous avez toutes les informations et vous pouvez retrouver ma boutique Univers Will Boutique, ma boutique de lithothérapie. Si vous voulez aller faire un petit tour, ça vous engage à rien. Il y a peut-être quelque chose qui vous fera plaisir. Je serai ravi de vous envoyer votre
commande, tout simplement. Je vous souhaite à toutes et tous un très bon week-end. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et je vous dis à lundi pour le message du jour.